La directrice régionale des transports de Bondoukou, Madame Sakone Echeflora, a initié pour cette sixième semaine de la sécurité routière des actions de sensibilisation sur le port du casque, la possession de la vignette et du permis de conduire pour les motocyclistes. Cette sixième édition de la semaine de sécurité routière, nous avons décidé de mettre un point d'honneur sur le port du casque pour les motocyclistes, la limitation de vitesse aussi pour eux parce qu'ils utilisent beaucoup les voies à travers la ville. Durant cette semaine, nous comptons sensibiliser comme d'habitude et comme j'ai dit, les motocyclistes, ensuite les conducteurs de taxis ville de Bondoukou, parce que nous avons constaté que ces derniers ne passent pas la visite technique. Et c'est vraiment un danger qu'ils courent. Donc il faut qu'on les sensibilise à ce fait-là, qu'ils prennent conscience de l'importance de la visite, d'autant plus qu'elle leur permettra de savoir l'état de leur véhicule afin de prendre les dispositions pour éviter les accidents. Au nom du préfet de la région du Gontougo, Andjoukoua, le sous-préfet de Bondoukou a réitéré sa volonté de voir le code de la route être respecté intégralement. Aux conducteurs, vous avez des agents qui sont sur la route et il faut avoir un esprit républicain. L'esprit républicain, c'est de respecter nos lois. Et en matière de code de la route, il faut que les conducteurs des engins de deux ou trois roues, ils doivent respecter la mesure du port de casque. Ils doivent aussi également veiller, ça c'est les conducteurs de façon générale, doivent veiller à ce que la limitation de vitesse soit respectée. Dans les marchés, les gares routières et sur les voies principales, les jeunes ainsi que les agents de la Direction régionale des transports de Bondoukou avaient transmis des messages de lutte contre l'incivisme routier. Des affiches et des messages de sensibilisation ont permis à la population de comprendre l'importance du port du casque.